Éminence, Excellence, chers confrères prêtres dans le sacerdoce et religieux, religieuses, vénérable imam, Seri, chers frères et sœurs du Saint-Monde de la Côte de l'île de Marne, chers invités, j'avais préparé moi une projection par au point, je ne sais pas si elle sera, si sera possible de la passer. Autrement, je sursois et je me lance dans la danse et que ça va pouvoir se dérouler. Donc Marie, dans la Bible, pour introduire mon propos, je pars d'une chanson traditionnelle sérère du Jobas que j'avais entendue il y a bientôt 30 ans, plus exactement 27 ans, alors que j'étais diacre et en stage pastoral à la paroisse Saint-Augustin Clavac, qui couvrait alors les localités de Boudia, Koutonov, voilà, et Rabanne. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et des paroisses ont été érigées à cet endroit. J'avais assisté à une rencontre des femmes catholiques du Jobas, du médiacre. Elles avaient chanté un chant traditionnel sérère qui m'a marqué à tout jamais. Ce chant traditionnel sérère m'avait tellement ému qu'il fait partie de mon patrimoine folklorique. Le chant disait ceci, « Fapa farafa, yaifa mojanam. Kognak na yae na kafobe, paro edam, yae ya maifa so. » Aujourd'hui, ce sont les femmes qui gagnent ailleurs. Un papa aura beau être bon, une maman est encore meilleure. Celui qui perd une maman a tout perdu. Une maman, une mère dans une maison, c'est comme une calebasse pleine de lait. Autrement dit, la maman, c'est la source nourricière, c'est la vie. Et un proverbe mexicain dit que la famille repose non pas sur le sol, mais sur la femme. La femme, la mère, c'est la même que l'on évoque quand tout va bien comme quand tout va mal. Quand on est en pleine forme, ou lorsqu'on déprime, on pense à sa mère. Oui, aïe, oui, sa mère, oui, aïe, mamma mia. La femme, la mère, n'est-ce pas, c'est la même à qui pensa Kamaralaï, ce Guinéen natif, mais comme le Sénégal est une terre d'accueil et où il fait bon vivre, et là je souscris. Là, je m'inscris vraiment dans la droite ligne de tous ceux qui ont pris la parole ici et qui ont magnifié l'exemple de vivre ensemble sénégalais, mais qui nous ont alertés sur les dangers réels que nous entourons si nous ne restons pas vigilants. Le Sénégal a été une terre d'accueil pour Kamaralaï. Il est venu fuir l'opposition du président Sékou Touré. Il a travaillé à l'IFON et il est mort à Dakar en 1980. Donc je cite Kamaralaï, guinéen et sénégalais de chez nous, qui part en France pour des études et qui obtient un certificat, un CAP dans l'automobile. Et Kamaralaï veut gravir les échelons de l'ingénierie française pour devenir ingénieur de l'automobile. Il n'y arrive pas. Il se dit, pourquoi? Est-ce parce que je suis noir? Pourquoi je ne veux pas devenir ingénieur? Il s'est battu bête et humble. Il n'est pas arrivé. Et dans son échec, dans sa déprime, dans sa déception, Kamaralaï va écrire son premier roman, L'Enfant Noir, 1953. À l'intérieur de ce poème, L'Enfant Noir, de ce premier roman, L'Enfant Noir, le poème à ma mère. Qui de nous ne l'a pas récité au secrétaire de primaire, femme noire, femme africaine? Et il vante les mérites de sa maman, une pauvre fille de famille de forgeron, mais dont les valeurs, dont la maternité, dont l'exemplarité l'ont construit et l'ont façonné, la femme. Notre pape, Saint-Pape Jean-Paul II,
avait lui aussi un grand attachement à Marie dans sa jeunesse. Et alors que se préparait la 4e conférence royale qui devait se tenir à Pékin, la 4e conférence mondiale sur les femmes, le pape Jean-Paul II a écrit une lettre aux femmes du monde entier. Et dans sa lettre aux femmes du monde entier, le pape dit ceci, il écrit cette lettre le 29 juin 1995. À vous toutes femmes du monde entier, mon salut le plus cordial. C'est à chacune d'entre vous que j'adresse cette lettre, en signe de partage et de gratitude. Je voulais maintenant m'adresser directement à chacune des femmes. Le point de départ de ce dialogue ne peut être qu'un merci. Merci adressé au Seigneur pour son dessein sur la vocation et la mission de la femme dans le monde. Et le pape a sorti cette expression fétiche sur les femmes. Il va nous donner des qualificatifs comme jamais on en a donné au monde. Merci à toi, femme, mère. Merci à toi, femme, épouse. Merci à toi, femme, fille. Femme, sœur. Merci à toi, femme au travail. Merci à toi, femme consacrée. Merci à toi pour le seul fait d'être femme. Applaudissons pour les femmes. Et aujourd'hui, me plaît de dire le grand honneur que j'ai de partager ce temps de parole avec une femme, une maman, une sœur, une épouse, une fille de notre nation. Que le Seigneur qui a conduit vos pas jusqu'ici vous bénisse pour l'acceptation généreuse que vous avez en toute spontanéité et bien montré quand nous avons fait des appels à vous pour coagner cette conférence. La femme, Marie, femme, mère, épouse, fille, sœur. Marie, femme, épouse, mère, fille, sœur, transmetteur de vie et de parole, transmetteur de valeur, éducatrice, pédagogue, Marie, exemple d'endurance et de persévérance, de ténacité dans la foi, modèle de vertu. Marie, femme, épouse, sœur, fille, mère, transmetteur de valeur à imiter pour notre vie spirituelle et notre vie quotidienne, dans notre relation à Dieu et aux autres, Marie, et de tout cela à la fois. Alors, pour conclure ce temps d'introduction, mon objectif, en introduisant ce partage théologique et pastoral, est de revisiter la figure de Marie, pour nous enrichir, chacune et chacun personnellement, pour embellir notre vie ensemble avec les autres. Vivre ensemble avec les autres. Si vous ne retenez rien de ce qui nous rassemble ce matin, je vous en conjure, retenez au moins cette phrase, cette expression, vivre ensemble avec les autres. Mettez des traits d'union entre chacune de ces expressions, parce que la relation islamo-chrétienne, chrétien-musulman, n'est-ce pas de bâtir des ponts les uns entre les autres. Vivre ensemble avec. Alors, pour que nous puissions embellir notre vie ensemble avec quelles que soient nos convictions religieuses. Je crois qu'on doit encore avancer, je suis très loin. Voilà. Alors, mon intervention va s'articuler autour de deux points. Le premier point qui va être très succinct, la Bible, puisque on m'a demandé d'intervenir sur Marie dans la Bible. Je vais d'abord parler de la Bible. Pour rappeler quelques vérités qui me semblent essentielles, fondamentales, pour partager avec nos frères et sœurs musulmans qui nous ont fait le don de leur présence, pour partager avec eux finalement ce qui fait la foi des chrétiens, la foi des catholiques sur la parole de Dieu, la Bible. Parce que la rencontre islamo-chrétienne suppose d'abord la reconnaissance de la validité des écritures de chacun. Cela est compris si vous voulez.
nous n'avons pas les mêmes manières de recevoir, de lire la parole de Dieu. Chacun respecte la manière dont Dieu s'est adressé à telle communauté. Et nous comprenons ce qui est compréhensible. Et nous confions à Dieu ce qui dépasse notre intelligence humaine. Et nous avançons sur ce qu'il peut faire ensemble pour bâtir quelque chose dans la Bible. Très rapidement, comme vous pouvez le voir, la Bible est une bibliothèque. Une bibliothèque avec avec un ensemble de livres46 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. Alors la Bible raconte l'histoire des relations entre Dieu et les hommes. C'est sous l'inspiration de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, qui est un esprit d'intelligence, de connaissance, de sagesse, de discernement et de lumière, un esprit de vérité. C'est sous l'inspiration de cet esprit que des hommes et des femmes ont écrit de la part de Dieu aux hommes. Pour nous chrétiens, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de la Bible, dans le sens que Dieu ne dépeignait pas le crayon ou le stylo avec lequel on a gravé les lettres de la Bible. Je sais que ça peut paraître un peu curieux et peut-être un peu décontenançant, mais c'est ainsi que Dieu l'a voulu dans sa grande sagesse. Il là, Yafan Ulamayashao. Dieu fait tout ce qu'il veut. S'il veut, il fait descendre, s'il veut, il fait descendre un livre par ce procédé. S'il veut, il le fait descendre par un autre procédé. Et donc, du coup, l'auteur biblique n'est qu'un canal, un vecteur, qui transmet la révélation d'un Dieu qui le dépasse. Et ce Dieu se révèle bien au-delà de ce que l'auteur biblique a pu voir, a pu entendre ou même comprendre. Dieu se révèle. Et ces textes de la Bible sont considérés comme sacrés par les chrétiens. Et voilà pourquoi nous encensons la parole de Dieu, comme on peut le voir dans les célébrations chrétiennes. L'encens étant réservé aux divinités, provenant de Dieu, on encense la parole de Dieu, puisque on reconnaît là une parole venant de Dieu lui-même. Nous avons deux citations bibliques. Ah, vous n'êtes pas passé de plus. Passons. Excusez-moi, j'ai donné le signal maintenant, tout est là. Ouais, le second. Voilà, c'est ça, c'est tout ce que je viens de vous dire, on passe. Et donc Marie dans la Bible, c'est le point central de cette intervention. Je vous ai dit en présentant la Bible qu'elle est une bibliothèque avec un certain nombre de livres divisés en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous pouvons parler d'Ancienne Alliance et de Nouvelle Alliance. Bien sûr, on peut penser que je vais développer Marie dans l'Ancien Testament, Marie dans le Nouveau Testament. Les choses ne fonctionnent pas comme ça dans la parole de Dieu. Les textes de l'Ancien Testament et les textes du Nouveau Testament s'appellent constamment les uns les autres comme en écho incessant. Pour comprendre l'Ancien Testament, il faut se référer au Nouveau Testament. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il est contenu des révélations, des prophéties, des promesses qui ne vont se réaliser que dans le Nouveau Testament. Et si on lit le Nouveau Testament tout seul, sans remonter à l'intuition première de ce qui se trouve en dépôt, c'est vaste communiquant. C'est ainsi que Saint Jérôme, au 4e siècle déjà, disait qu'il y a l'Ancien Testament, il y a Jésus-Christ. Alors, à travers un va-et-vient incessant entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, j'ai essayé de dégager six figures de Marie. Six. Je regarde la montre, je vois que ça va être cadencé. Six. J'avais voulu en faire sept. Et les chrétiens comprennent pourquoi je dis sept. Parce que 7, c'est le chiffre parfait. Et les musulmans le croient aussi le 5.
sept, c'est le chiffre parfait. Et puisque aucune femme au monde n'a été bénie autant que Marie, puisque elle a été choisie parmi toutes les femmes du monde. Imaginez-vous si nous devions fabriquer nous-mêmes notre mère. Nous la ferions aimer déjà, mais nous la ferions plus belle que la lune. Et voilà ce que Dieu a fait de Marie. Et donc j'ai devenu si sûr de Marie. Si sûr, si merveille, si aspect du visage, de ce qui est, je vous laisse le découvrir. Vous l'avez fait déjà en vie, parce que vous êtes tous ces toutes filles de Marie. Alors ce sera peut-être l'occasion de le partager avec vous. Si je fais tout le travail, ça va être trop facile. Comme vous voici un peu aussi, n'est-ce pas? Merci par avance. Marie, c'est la même, et je pense que notre sœur, Madame Dao, reviendra là-dessus. Marie, c'est la même que le Coran cite en exemple et donne son nom. Taqabbalahu wa ta'ala, Dieu va donner en exemple aux croyants la femme de Pharaon. Premier exemple. Qui va dire, Seigneur, délivre-moi de Pharaon et de ses agissements. Construis-moi une maison auprès de toi, Marie. Et le Coran va poursuivre, wa Maryam, allati akhadhat fajaha, fanafakna fiha min ruhiha, wa ja'alnaha wa atnaha ayatan lil 'alamin. Nous avons fait de Marie et de son fils un signe pour l'humanité tout entière. Marie, belle figure, sept traits de visage. Je vais aller beaucoup plus rapidement sur les trois premières figures, qui sont toutes des figures beaucoup plus commentées en Saint Testament et pour notre pratique quotidienne, notre vie spirituelle. Et là, j'accueille avec grande joie, avec émotion, et je partage totalement la vérité de ce qui a été dit ici, notamment par Monseigneur Benjamin Gaël, sur le fait qu'aujourd'hui ce qui est important, c'est la vie spirituelle. Comment nous sommes rassemblés pour chercher à être remplis de Dieu? Si nous sommes remplis de Dieu, nous allons déborder Dieu. Si nous sommes remplis de Dieu, nous allons exhaler le parfum de Dieu. On n'aura plus besoin que Dieu descende sur la terre pour qu'on le connaisse. Les hommes eux-mêmes seront image et ressemblance de Dieu. Voilà un début du dialogue. Alors, les sept figures, les six figures de Marie. Marie, première figure qui me plaît en elle et que j'ai découvert dans ma méditation, c'est que Marie, c'est la nouvelle Ève. Nous avons la première Ève. La première Ève que le serpent tenta et qui succomba à la tentation du serpent. Alors Dieu vous a dit, ne mangez pas tous les fruits du jardin. Et Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme tous. Vous serez comme lui. Alors la femme goûta le fruit et donna à l'homme. Et alors leur misère commença. Ils furent chassés du paradis. Et Dieu vit de l'hostilité entre la descendance de la femme et la descendance du serpent, disant au serpent, sa descendance te meurtrira le talon. Et toi, tu lui meurtriras la vie. Voilà le texte de la Genèse, chapitre 3. Et nous avons en Luc un ange. Le mal, le malin qui parle à Ève, c'est un ange déchu. Déchu, mais le vrai ange, l'ange dans la fidélité au Seigneur, Gabriel, Gabriel va parler à Marie. Et nous allons voir que les perspectives ont complètement s'inversé. Les tendances ont complètement basculé. Alors que le premier ange déçu, le démon, apporte des paroles de mort à Ève, l'ange Gabriel apporte des paroles de vie à Marie. Je te salue, pleine de grâce. Et Élisabeth va prolonger ses paroles. Tu es béni entre toutes les femmes. Mubarakatun entifin nisa, tu es béni entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. À la place de malédiction, dans la première Ève, nous avons une bénédiction en Marie. Ève, notre mère, dans la chair, désobéit à Dieu, Marie, par la voix grandement.
Ève désobéit à Dieu et collabore grandement au péché d'Adam. Ce qui provoque la chute de la race humaine, Marie obéit à Dieu et contribue grandement à la mission rédemptrice. Elle fut la mère et le modèle du parfait disciple. La théologie chrétienne dans les deux textes que je vous ai cités là, Corinthiens et Romains, appelle Jésus le nouvel Adam. Le premier Adam, le nouvel Adam. Si Jésus, fils de Marie, est le premier Adam, qui va nous délivrer du péché, qui va couler le péché par sa mort sur la croix, Marie, la mère de Jésus, est vraiment la nouvelle Ève. Voilà, par déduction logique. Après qu'Adam et Ève péchèrent, Genèse 3, 15, je dis tout à l'heure, prophétise une descendance qui sera en totale hostilité avec le serpent. Cette descendance, c'est celle de Marie. Nous sommes tous et toutes fils et filles de Marie qui nous engendre à la vie de la grâce, alors que Ève, la première Ève, vous savez, vous l'inspirez engendrée à la vie du péché. Marie, nouvelle Ève. C'est comme ça qu'on le chante. Marie Ève nouvelle. Maintenant, quand on va chanter Marie Ève nouvelle, on dirait peut-être que t'es au fur et à mesure. Premier visage de Marie. Deuxième visage de Marie. Marie, on peut passer la nouvelle arche d'alliance. Marie, la nouvelle arche d'alliance. Arche d'alliance qui avait été commandée par Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 25. Dieu demande à Moïse et à son peuple, en sortant du désert, de construire l'arche. L'arche fabriquée selon un modèle que Dieu lui-même va indiquer. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Dans l'arche, il y avait ce qu'on appelle le témoignage, c'est-à-dire les 10 commandements ou les 10 paroles. L'arche contenait les 10 commandements, les paroles. Et vous comprenez tout de suite pourquoi Marie va être la nouvelle ange, la nouvelle arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait aussi, dans une jarre, il y avait la manne, cette nourriture, ce pain descendu du ciel que le peuple de Dieu a mangé dans sa traversée à travers le désert. Et en plus de ça, dans l'arche, il y avait le bâton d'Aaron, Aaron qui était le prêtre. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la parole dans l'arche, il y a quelque chose de l'ordre de la nourriture dans l'arche, il y a quelque chose de l'ordre du sacerdoce dans l'arche. On passe. Finalement, David va aller chercher l'arche quand il devient roi de Jérusalem en l'an 1010. Avant Jésus-Christ, David fait de Jérusalem sa capitale et il va aller chercher l'arche. Et il va la faire transporter par 4 hommes. Alors que Dieu a dit, ne la portez pas par des hommes, mettez-la sur un chariot. David désobéit à l'ordre de Dieu et l'arche menace de tomber. Parmi les jeunes qui portaient l'arche, il y a un qui s'appelle Ouza. Ça vous parle, n'est-ce pas, Ouza? Et il cherche à rattraper l'arche avec sa main. Et voilà qu'il est foudroyé par la mort. Et David est dans tous ses états. Et il s'écrit, comment l'arche du Seigneur pourrait-elle venir jusqu'à moi? Comment l'arche du Seigneur pourrait-elle venir jusqu'à moi? Ça nous dit quelque chose. Comment est-ce que la mère de mon sauveur vient jusqu'à moi? Et David va danser devant l'arche. Et Jean-Baptiste et Jésus à la rencontre vont faire tressaillir Élisabeth. Lorsque j'ai entendu les salutations, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sang. Vous voyez les coïncidences. Et en plus, l'arche contenait. L'arche était le signe de la présence de Dieu pour les Hébreux dans le désert. Au-dessus de l'arche, il y avait la nuit, une colonne de feu lumineuse et le jour une colonne de nuée. Quand les gens voyaient la colonne de nuée au-dessus de l'ange, ils criaient, ils dansaient, ils sautaient. Et les abeilles crient et dansent à la vue de Marie. Ainsi, tout comme l'arche indiquait la présence de Dieu, tout comme l'arche contenait la parole, tout comme l'arche contenait la manne, la nourriture, tout comme l'arche contenait le bâton d'Aaron, le grand prêtre, Marie
porte au monde la parole de Dieu qu'elle va enfanter dans son sein, pendant le mois. Marie nous donne Jésus, pain de vie, manne nouvelle, le vrai pain qui vient du ciel. Marie nous donne Jésus, grand prêtre. Marie nous donne Jésus, pain de vie pour notre monde. Marie, arche de la nouvelle alliance. Marie, la Vierge qui enfante. Troisième figure de Marie. Isaïe, dans son chapitre 7, fait une prophétie au roi Akaz. Au roi Akaz qui vit dans des situations difficiles. Son royaume est menacé. Et puis, il se dit, mais comment se fait-il que moi qui étais fort, puissant, comment se fait-il que je devienne pauvre? Comment se fait-il que je devienne toujours défait? Comment se fait-il que les victoires m'aient abandonné? Et le prophète va dire à Akaz, c'est parce que tu as péché contre Dieu. Dieu te punit à cause de ton infidélité. Demande ton signe au Seigneur. Akaz dit, je ne demanderai pas de signe. Et Isaïe va dire, voici que Dieu lui-même te donne un signe. Voici que la Vierge concevra et enfantera et mettra au monde un fils. De qui parle le prophète? Nous sommes 8 siècles avant l'arrivée de Jésus. Et Isaïe parle à un roi qui s'appelle Akaz. Certains ont osé stupider qu'Isaïe parlerait du fils d'Akaz, qu'on appelle Ézéchias. Mais les recherches, les études prouvent que quand cette prophétie est donnée, Ézéchias est né depuis 9 ans déjà, même s'il a fait des choses extraordinaires. Et quand on fait le parallèle de Isaïe 7 avec le prophète Michée, que vous avez en haut, avec Luc, grande ressemblance entre ce que dit Isaïe dans son chapitre 7 et ce que dit Michée et ce que dit Luc dans les évangiles de l'enfance. Celui qui annonce Isaïe, celui qui annonce Michée, et celui dont Luc nous parle, qui est Jésus dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui devait sortir de Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, c'est de toi que sortira celui qui va gouverner le monde. Bethléem, première implication, il sera grand. Deuxième implication, il sera grand. Troisième implication, il sera appelé la paix. Par lui viendra la paix sereine des nations. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit bien que le Christ est notre paix. Ainsi, Marie, à travers tout cela, se présente bien à nous comme cette Vierge dont parlait Isaïe 8 siècles avant Jésus-Christ. Et cette promesse d'Isaïe va se réaliser en elle. Vous voyez que pour comprendre le Nouveau Testament, il faut absolument se référer à l'ancien. Nous sommes maintenant au quatrième figure de Marie. Marie, la foi et l'obéissance. La foi. C'est Pilate qui avait demandé à Jésus, au cœur de sa passion, qu'est-ce que la vérité? Et nous pouvons nous demander, qu'est-ce que la foi? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, Jésus parle de la foi. Enfin, il donne un message qui renvoie les disciples à leur propre foi. Si ton frère pêche 7 fois par jour, et 7 fois par jour, il vient te demander pardon, 7 fois par jour, tu lui pardonneras. Oh, mais c'est pas possible, il est exagéré, 7 fois, quand même, c'est trop. Et Jésus va dire, malheur à celui par qui le scandale arrive, mieux vaut qu'on lui attache une grosse meule au cou, comme celle qu'on érige pour les ânes et qu'on le jette au cœur de la mer. Alors les disciples, ils ont eu peur, panique, bleu. Seigneur, augmente en nous la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Et Jésus va dire, si vous en avez petite, comme une graine de moutarde, la foi. Abraham, dans le chapitre 15 de la Genèse, modèle de la foi des chrétiens et des musulmans, père des croyants, Abraham. Il a été éprouvé dans sa foi. Dieu lui dit, tu vas avoir une génération nombreuse, aussi nombreuse que les astres du ciel. Et le temps passe. Abraham vieillit et Sarah prend l'âge et l'enfant de la promesse ne vient pas. Abraham va même pleurer, presque devant le Seigneur. Seigneur, tu m'as dit que j'aurai une descendance.
mais tu ne m'as pas donné. Si tu ne fais rien, c'est un de mes serviteurs qui risque d'être mon héritier. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dans l'épreuve de la foi qu'Abraham va vivre, Dieu va faire deux choses. Il va dire à Abraham, sors, viens dehors. Et il va lui faire compter les étoiles. Par Abraham, ton mari et la descendance. Nous apprenons que la foi, c'est sortir, c'est aller dehors. Géographiquement, mais aussi et surtout spirituellement. La foi, c'est cela. Dîner. Nous sommes qui de dame. Les mots la dame, mon monnaie, mon de l'éteint, mon de l'oussour. Quelqu'un pour être djoube. Nous sommes quelqu'un pour être djoube. Dîner, t'as pas l'acté. Nangou, fatigue en paix. Nangou, baille tout le temps de leur paix. Le guide de lui, rôle de la sélection. La fille a le bon qui reste dans les gens. Il y a vous êtes qui n'est pas là, Nango. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, que Marie était une marcheuse. La foi, c'est accepter d'aller en pèlerinage. À Rougogui, à Douba, à Niassan, à Kaon. Mais à l'intérieur de moi-même, le pèlerinage intérieur de la foi. Accepter les déplacements spirituels que Dieu nous force à vivre, quelquefois indépendamment de notre propre volonté. Aïe, là, là. Il y a le téléphonie. Il y a vers la fin du chapitre 2 du Coran, sur le Matra, un verset qui dit en substance, Seigneur, tu as créé tous les hommes. Si tu veux les sauver, tu les sauveras tous. Si tu veux les aimer, tu les aimeras tous. Mais tu les sauveras, parce que tu es un Dieu bon et miséricordieux. Et c'est ce que Marie a fait. Marie a vécu tout cela. Marie accepte de rentrer dans le projet de Dieu. Elle se déplace. Elle prend le bon chemin. Elle sort de sa bulle. Elle sort de sa petite vie tranquille. Et elle dit, voici la servante du Seigneur. Fiat. Et fiat pour nous chrétiens, ça rappelle quelque chose de la parole. Quand Dieu va créer la première parole qui sort de la bouche de Dieu, fiat, lux. Le fiat de Marie s'origine dans le fiat de Dieu. Il y a un lien de parole à parole entre le fiat de Marie qui rejoint le fiat de Dieu à la création. Et Marie va porter la parole. Par son fiat, elle confirmait déjà qu'elle portait au monde la parole. Jésus n'était pas des paroles dans le camp, mais bien sûr. Il y a Marie qui dit Kalima. Et ce mot est ça, le Messie. Oh Marie, voici que Dieu t'annonce une parole. Marie, modèle de la foi et de l'obéissance. Et plus tard, parce que Marie a médité sur le fiat, elle a médité sur l'acceptation de la parole de Dieu, et enseignera aux disciples à Cana, faire ce qu'il vous dira. Nous sommes un peuple du faire, un peuple de Dieu qui a fait par sa parole. Un Dieu qui a fait sa parole s'est fait chair et Marie nous enseigne tout cela. Marie, la prévenance et la joie. Monseigneur André, tout à l'heure, en introduisant son propos, a été cherché dans le dictionnaire. J'étais pareil, on n'a pas connu lui, mais j'étais pareil. Le petit Larousse définit prévenant comme celui qui prévient, qui agit par avance, qui va au-devant des désirs d'autrui, quelqu'un qui est attentionné. Être prévenant, c'est aller prévenir, aller au-devant des besoins. Prévenance, la prévenance de Marie, c'est son attitude qui va au-delà des désirs d'autrui. Ce sont toutes ses paroles et toutes ses actions par lesquelles Marie a cherché à prévenir les désirs de l'humanité. Ils n'ont plus de vin.
va te dire à Cana, en Galilée, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2. Et nous allons tous remarquer la qualité du regard de Marie. Nous allons tous remarquer la pureté du regard de Marie. Parce que Marie n'est pas centrée sur elle. Marie est altruiste. On a parlé de l'altérité. Marie n'est pas moi, pour être le yalolo de tout le mariage. Elle a regardé, observé les mouvements, les va-et-vient. Tac ! Intuition féminine, il y a problème. Voilà ce que Marie nous apprend dans notre vie. Marie anticipe nos difficultés. Marie va au devant lorsque la vie va mal et va dire à Jésus, ils n'ont pas de vin. Et le vin, là, c'est dans la magie de l'Église. Il ne s'agit pas de boire et on peut trouver tout et n'importe quoi. Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Le vin, quand on en parle dans la Bible, le vin signifie la joie. Le vin signifie l'alliance. Dieu fait alliance avec nous en faisant une grande fête, un grand banquet, un mariage, des fiançailles, des épousailles, on danse, on mange, on boit. C'est le signe du royaume, le vin. Pas matériellement, pas qualitativement. Mais c'est un symbole, c'est le langage de la Bible. Et lorsqu'il n'y a plus de vin à Cana, il n'y a plus de choix. Lorsqu'il n'y a plus de vin à Cana, l'alliance menace d'être rompue. L'humanité est au bord du gouffre. Marie va au-devant de cette situation catastrophique. Elle en parle au Jésus, à Jésus. Elle demande à Jésus de faire quelque chose. Et Jésus ne résiste pas aux supplications de sa mère. Puisqu'elle n'est pas une déesse, nous l'avons entendu. Marie n'est pas Dieu. On ne la prie pas. On lui demande de prier pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Et Marie a prié Jésus. Donne-leur le vin de la joie. Donne-leur le vin du royaume. Et la fête a été relancée. Marie, qui relance la joie des mariés et de l'humanité pécheresse, dont l'alliance est menacée par le péché. Et ce mariage de Cana a lieu le troisième jour, jour de la résurrection. Voici le jour que fit le Seigneur, qui sort pour nous, jour de fête et de joie. Et le psaume 117, nous lisons à Pâques, et le psaume de Noël, 95, 96, que les arbres déformés dansent de joie à la vue du Seigneur, car il vient pour sauver son peuple. Oui, Marie, très bonne et joyeuse. Et enfin, j'arrive, non sans effort, j'arrive avec la prière de Marie. À la toute dernière figure que je voudrais partager avec vous, Marie, la compassion, le soutien dans les épreuves, qui est en ligne directe, qui est le prolongement en fait de la cinquième figure de Marie. La compassion. Et là, nous travaillons à partir de deux textes, Apocalypse 12 et Jean 19. Le texte de l'Apocalypse 12 nous parle d'une vision, un signe. Marie est signe aussi, comme Jésus est signe. Une femme, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, une femme qui a le soleil et la lune, l'un sur ses pieds, l'autre sur sa tête, une couronne, un diadème de 12 étoiles. Cette femme, elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Parce qu'elle attend la naissance de son enfant. Mais cette femme, elle est préoccupée, elle est soucieuse. Parce qu'il y a un dragon qui veut dévorer son enfant. À peine né sera-t-il. Cette femme, elle est non seulement au travail, mais elle est aux prises à la difficulté, à l'hostilité. Qui est cette femme? Eh bien, la théologie chrétienne nous apprend que Marie représente l'humanité tout entière. Elle représente notre monde encore en chemin. Cette femme représente Jésus, Marie, autant pour moi, qui porta Jésus dans son ventre, qui le mit au monde. Elle se réjouit, la femme se réjouit de la naissance de son fils. Marie se réjouit de la glorieuse résurrection de Jésus au matin de Pâques. Cette femme joyeuse, mais douloureuse, c'est aussi l'Église, les enfants de l'Église, joyeux de fêter le jubilé de 50 ans.
de présence de notre diocèse, joyeux de louer la geste missionnaire de tous les vaillants missionnaires qui nous ont apporté l'évangile. Il était joyeuse d'entendre les cinq prêtres il y a quelques jours, joyeuse. Mais l'Église avec les chrétiens sommée au long des jours de rendre compte de l'espérance qui est en eux, tous les jours. Et la qualité récente ne fait que nous la rappeler de votre manière. L'être chrétien, ce n'est pas cela pour les tous. Être chrétien, ce n'est pas avoir une vie tranquille. Être chrétien, c'est être ici, prendre sa foi sur le Christ. Marie a pris la sienne. Jésus a porté la sienne avant. Et nous aussi, nous portons la nôtre aussi. Et sur ce chemin de la croix, sur ces croix plantées sur nos chemins, Marie est là. Méditant en tout dans son cœur, discernant, comme on nous l'a rappelé tout à l'heure. Marie est aussi au pied de la croix. Pouvons-nous imaginer la souffrance de cette mère alors qu'on torturait ou crucifiait son fils? Ce petit de temps de souffrance, on dit le cantique, ne nous laisse qu'indifférence. Et Marie, au pied de la croix, continue de se rappeler, de se souvenir, de faire mémoire de tout ce qu'on lui avait dit. Et toi, ton cœur sera transpercé par l'épée. Et elle reste debout, son cœur de mère saignant avec le cœur de son fils transpercé. Femme des douleurs. Et Marie, au pied de la croix, dans la difficulté, elle ne pleure pas, elle ne se lamente pas, où est son amène, elle ne devient pas, elle ne vous donne. Et tu accuses les autres. Marie prie, elle prie, et dans le recueillement, Seigneur, accueille la souffrance de mon fils. Sauve le monde par la passion de mon fils. Marie prie. Et Marie nous apprend à prier. Quand Marie apparaît à Bernadette, excusez-moi de parler de Lourdes, mais j'aime pour Lourdes. Depuis 10 ans que je suis en France, il n'y a pas une année que je ne marche pas à Lourdes. Quelquefois, deux fois, trois fois. Je vais aller. Et lorsque Marie apparaît à Bernadette, la première chose qu'elle fait, c'est de lui apprendre à faire le signe de la croix. Bernadette ne pouvait pas lever la main. Marie va lui apprendre à faire le signe de la croix de manière simple, entre père. Ce n'aurait jamais eu une belle catéchèse sur le signe de la croix aussi. Quand on se signe du front, ça rappelle l'identité des fils de Dieu, les épaules pour porter les fils de Dieu, le cœur, l'amour de Dieu qui a été révélé dans votre cœur. Je l'utilise beaucoup dans la catéchèse en France. Merci mon Seigneur. Et Marie, apprend aux enfants à qui elle a parlé à Bouchard en France aussi, de manière à prier. Et donc, au cœur de nos difficultés, de nos souffrances, Marie, nous avons tout simplement prié. Au mieux. Ici, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je suis allé copier dans la nouvelle encyclopédie catholique, à la page 898. Cette belle catéchèse qui résume à mon avis en tout ce que j'ai essayé de dire. Si Marie est modèle et plénitude de tout homme, donc si le Christ qui est modèle et plénitude de tout homme, Marie pour les chrétiens est le prototype de la réponse de foi et d'espérance à l'appel de l'Alliance. Les chrétiens l'honorent en effet parce qu'elle attendait la réalisation de la promesse de Dieu, parce qu'elle a cru celui qui lui en a annoncé la réalisation, parce qu'elle a accepté d'être la mère du Sauveur, parce qu'elle est restée près de lui pendant toute sa vie, parce qu'elle fut donnée en la personne de Jean comme mère à tous les croyants, Marie a une place à part chez les chrétiens. Et voilà pourquoi nous l'honorons, voilà pourquoi nous la magnifions, voilà pourquoi nous demandons de prier pour nous, voilà pourquoi tous les données de Pentecôte. Nous sommes réunis autour d'elle, au sanctuaire marial, national, international de notre Congrès. Et nous nous réjouissons de la présence significative, séculaire, légendaire, traditionnelle, ancrée de la communauté musulmane qui ne vient pas prier Marie, ce serait trop faire, trop dire, mais qui vient honorer Marie, qui vient reconnaître les merveilles que Dieu a faites dans ses créatures, que j'ai abandonné dans moi, de changer dans ses problèmes. Alors que Marie, reine du Sénégal,
reine des apôtres de notre diocèse, notre dame de Borama et de tous les sanctuaires du Sénégal, ministre Sénégal, qu'elle renforce notre vivre ensemble avec et qu'elle obtienne par sa prière que Dieu nous délivre de la tentation, de la division qui peut nous guetter hier, aujourd'hui et demain. Je vais pouvoir vous remercier de votre aimable attention. Je vous donne la parole à la Écrivain et Commandatif. Voilà, un très grand merci à notre pasteur. Il nous a beaucoup édifié ce qui concerne la place de la Écriture dans la Bible. Sans transition, je vais passer la parole à Madame Diaw pour permettre à nos autorités, qui vont certainement nous recruter tout à l'heure, de profiter aussi de ce qu'elle a à nous offrir comme message. Merci.